aussi, enfin du fort d'ici. Nous sommes là sur l'un des points de ce parcours, donc qui est le séminaire Saint-Sulpice. Donc, bah, venez, je vais vous montrer le fonctionnement. Donc, nous avons ici le borne qui est consacré au séminaire Saint-Sulpice. Donc, vous avez ici tout en bas le flash code. Donc, vous flashez ce code avec votre smartphone ou iPhone pour obtenir plus d'informations sur cette partie, sur ce monument qui est le séminaire Saint-Sulpice. Donc, maintenant, quelles sont les réactions des participants? Pour le savoir, c'est moi. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Donc, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben là, je suis en train de taguer un code qui est sur la borne. Et qui me donne directement accès à une page web avec des informations complémentaires. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce mélange de technologie et d'histoire? Ben, le plus difficile, c'est de se rappeler qu'il y a des pierres à regarder, des choses à découvrir et ne pas rester bloqué sur l'écran ou les panneaux, et d'arriver à faire trois choses à la fois. Et est-ce que vous avez pris connaissance déjà auparavant de l'histoire de ce séminaire? Oui, bien sûr, dans des livres. Je vous remercie. Donc, bonjour messieurs, dames. Donc, vous êtes en train d'effectuer le parcours numérique pour découvrir l'histoire du fort d'ici. Donc, que pensez-vous de cette idée de mélanger la technologie avec l'histoire pour faire découvrir l'histoire d'ici les Moulineaux? Ah, c'est excellent en fait. Ça, c'est une opportunité de se balader et en même temps de connaître des tiers-recoins de d'ici les Moulineaux et connaître l'histoire associée à tout ce qui est intéressant. Et c'est une façon sympa, plus ludique et qui attire un peu plus avec le smartphone, l'application et tout ça. Ça t'attire un peu plus l'œil et après ça te permet de... D'accord. C'est bien. Et sinon, est-ce que vous avez déjà pris connaissance de cette partie d'histoire avec le séminaire avant le parcours? On connaissait quelques détails, mais pas tout en fait. Donc ici, on revoit des choses qu'on connaissait déjà, mais on va découvrir certainement plus. Et, oui, on découvre des endroits très sympathiques ici, que vous ne connaissez pas. Des petits chemins, des petits ruelles, Ok, bah je vous remercie. Bonjour monsieur. Juste une petite question. Ouais. Que pensez-vous de ce mélange technologique et historique? Je trouve avoir surtout des compléments de photos par rapport à ce qu'on trouve sur les bornes, en fait. Voir des images historiques et tout ça. C'est assez intéressant par rapport à ce qu'on trouve déjà à côté du bâtiment. Et surtout, ça invite un peu à se balader dans la ville, alors que ça, il faut vraiment y passer des ans pour les voir. Merci beaucoup.